Salon compétences là, c'est un espace Collège Canado-Haïtien créé pour faciliter diverses entreprises exposées sur Vio et puis faire promotion pour produits locaux. Directrice générale Institut national à formation professionnelle là, Maggie Durcé, salue l'engagement Collège Canado prend depuis 3 années. D'après lui, l'activité ça a créé espace tôt pour valoriser les métiers professionnels et puis encourager les jeunes pour apprendre un métier professionnel. L'INFP et le Canado Technique, nous visons plus haut, nous rêvons pour que ce ne soit pas seulement les métiers traditionnels qui sont présentés et on espère l'année prochaine on aura un défilé de mode, mais nous avons aussi dit qu'il nous faut aller encourager les jeunes et amener pour eux des métiers de qualité, par exemple les métiers de l'aviation, les métiers de la technologie, les métiers et qui transcendent, qui peuvent et aider les jeunes à se valoriser mieux. Troisième édition Salon Compétences Lente et occasion pour direction Collège Canado inaugurer une salle qui porte le nom Jean-Lucien Ligondé. Responsable éducation Collège Canado, frère Lucien Durand, explique que la salle là porte le nom ingénieur Jean-Lucien Ligondé comme un ancien élève Canado et pour modèle les représenter journée et jeudi dans la société. Jean-Lucien Ligondé est un modèle de citoyen, c'est un modèle d'homme qu'on peut recommander à la jeunesse. On peut féliciter quelqu'un, on peut le remercier, mais cette salle va durer longtemps. Et tous les étudiants qui vont passer dans cette salle vont se rendre compte qu'avant eux, il y avait des modèles. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé remercie le directeur à Collège Canado haïtien qui immortalise à travers salsa qui porte non li. Éterniser le nom de quelqu'un en Haïti n'est pas déjà un pari facile. Haïti fait partie de ces pays où l'on détruit toujours cela qui sauf à ce pays. Haïti fait partie de ces pays où l'on détruit ses modèles. Le Canado Technique, pour moi, n'est pas un simple symbole. C'est le levier qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Directrice générale INFPA, Maggie Diossé, promet la organiser défilé mode l'année prochaine dans l'occasion Salon Compétences Collège Canado a organisé. C'est une initiative qui a montré capacité talent jeune. Salon Compétences offre opportunité à tout secteur pour montrer ça.